Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Parce que c'est un petit peu quand même le but de YouTube, de donner la banane aux gens. Rappelez-vous, YouTube, c'est tout début. Genre, quand YouTube a commencé à être là, du coup, avant c'était pas YouTube qu'on regardait, avant c'était Dailymotion. Aujourd'hui, Dailymotion, ça n'existe plus. C'est le néant. Il y a quasiment plus de vidéos. Ou alors, les gens ne les regardent plus. Mais au tout début, YouTube, c'était quoi? C'était des vidéos de mecs qui se gamellent en skate, c'était des vidéos de chats et des vidéos de type un peu bizarre. Et aujourd'hui, regardez ce que c'est devenu. Au fur et à mesure du temps, il y a eu énormément de contenu en fait qui s'est ajouté sur YouTube et c'était juste plus du divertissement. Il y a eu des documentaires, il y a la chaîne Arte par exemple qui est sur YouTube. Il y a énormément de choses et d'autres. Vous avez des vidéos tutos, que ce soit des vidéos tutos de coiffure ou des vidéos tutos de plomberie, de mécanique, qui peuvent vous aider en cas de pépin. Hein, ça m'est arrivé. Il y a énormément de choses qui se sont rajoutées. Il y a énormément de YouTubeurs qui sont venus. Il y a énormément de sujets différents qui sont abordés tous les jours sur YouTube. Il y a chaque jour des centaines, des milliers de chaînes qui s'ouvrent, des milliards, peut-être pas, des millions, je sais pas, de vidéos qui sont uploadées sur la plateforme absolument tous les jours. Et YouTube, ça permet aussi de faire des rencontres, que ce soit vous, dans les abonnés, hein, dans les commentaires. Par exemple, je vois les YouTubeurs qui font des meetings, ou simplement des youtubeurs entre eux. Et aujourd'hui, grâce à cette plateforme, j'ai pu discuter, j'ai pu interviewer avec une personne, un autre youtubeur, qui a une chaîne aussi, qui s'appelle Jean Laval. Je vous dis ça, mais je reviens toujours pas. Hein. Là, vous savez, mon cerveau, il est en train de se dire: tu as fait une interview avec Jean Laval et tu es en train de faire l'intro pour poster ta vidéo avec Jean Laval. Mon cerveau n'arrive pas à analyser cette information parce que je reviens toujours pas, en fait. Il y a un truc qui fait... Et là, si vous voulez, ça fait vraiment, littéralement... 5 fois, je crois, que je suis en train de recommencer ces intros. Voilà. Pour vous dire que quand j'ai reçu le mail, en fait, que l'équipe de Jean Laval m'a envoyé, j'étais comme ça. Vraiment. J'étais en train de me dire, mais c'est vraiment à moi qu'ils l'ont. C'est à moi que vous l'avez envoyé ce mail? Non, il y a sûrement une erreur. Je crois que vous vous êtes trompé de personne. Je l'ai relu une dizaine de fois, mais pour être bien sûr que c'était bien à moi que c'était adressé. J'étais vraiment en mode, non mais, ils sont trompés, c'est pas possible. Ils sont trompés, c'est pas possible. Et jusqu'au jour de l'interview, donc c'était vendredi, pas vendredi, pas vendredi 22, mais avant qu'on a pu du coup faire cette interview slash discussion, jusqu'à temps que je vois Jean apparaître en fait sur mon écran d'ordinateur, j'étais là en mode non mais c'est un prank en fait, c'est un prank. Et je l'ai vu apparaître sur l'écran de mon ordinateur et j'étais là en mode ah bah non en fait c'est vraiment lui, c'est vraiment, c'est ah ouais, ok, bon bah c'est parti. Et je pense que vous allez le voir dans cette vidéo, du coup, que je suis un petit peu en mode... Je suis un petit peu intimidée. Un petit peu. Parce que Jean est une personne qui met énormément les gens à l'aise. Et je l'en remercie beaucoup. Vraiment beaucoup. Et ça a été vraiment une agréable rencontre. Et je remercie... Et vous savez, je remercie un petit peu tous les petits trucs qui s'imbriquent dans la vie, là. La personne qui a créé l'électricité, la personne qui a créé Internet. Ce petit enchaînement de choses, en fait, qui m'a permis de pouvoir aujourd'hui vous faire cette intro pour vous présenter cette vidéo que je suis en train de refaire pour la 5e fois de suite. Et j'ai
énormément, énormément de gratitude là, à l'intérieur de moi, à l'heure actuelle, pour son équipe, pour Marine plus particulièrement, qui m'a justement envoyé des mails, qui a répondu à toutes mes questions parce que j'en avais beaucoup des questions. Donc merci infiniment pour le temps que vous avez passé avec moi à répondre à mes inlassables questions. Merci pour Jean, pour le temps qu'il m'a accordé durant ce moment. Dieu sait que je suis encore en train de réfléchir à des choses dont on a parlé parce que ça résonne fort à l'intérieur. Ça me permet de voir aussi des choses d'un angle différent. Je vais vous laisser du coup avec la vidéo d'ici quelques minutes. Je vous rassure, je ne vais pas parler pendant 10 minutes. Mais je voulais aussi remercier mes amis, notamment Litana de la chaîne Litana de vous à moi et mon ami Chat qui, quand je leur ai dit les gars, je crois qu'il y a un problème. Je viens de recevoir un mail un peu bizarre et qui m'ont dit non, ce mail il est pas bizarre. Il faut que tu répondes à ce mail. Et il faut que tu répondes oui. Hein, tu dis pas non, tu dis oui. Donc merci à tous ces gens pour cette opportunité incroyable dont j'étais. Encore une fois, hein, j'en reviens toujours pas. Et merci pour tout, en fait. Merci à vous qui me regardez, à qui, bah, grâce à vous, c'est possible, ça aussi. Merci à ce petit embriquement de choses. Vous voyez, je suis même en train de remercier les gens qui ont inventé l'électricité il y a je ne sais combien d'années, le mec qui a inventé Internet, le mec qui a créé les plateformes de vidéos en streaming, Dailymotion, YouTube, voilà, merci à vous les gars, merci infiniment à la Terre entière, à l'univers entier, de me permettre aujourd'hui de faire cette intro pour vous présenter cette vidéo. Sur ce, et eh bien du coup, je vous laisse avec la dite vidéo parce que ça fait quand même presque 5 minutes que je parle et que bah, c'est pas vraiment pour ça que vous êtes là, quoi. Donc voilà. Merci de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Moi en tout cas, elle m'a énormément plu. Et encore une fois, mon cerveau est en train d'analyser le truc. Et voilà. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Jean pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vous la mettrai dans tous les cas dans la barre d'infos, hein, ça va de soi. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous d'Eskimo. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Comment est-ce que toi tu fais pour te déconnecter complètement quand tu sens que tu pars trop dans le travail ou que tu pars trop dans un domaine en particulier? Comment tu fais pour te déconnecter et te recentrer sur toi? Alors, j'aime bien la question déjà, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à me déconnecter, de par mon travail surtout, de par le fait que bah, j'ai une équipe avec moi, etc., et qu'il y a toujours bah, des questions, et même quand je suis en pseudo-dites vacances, au final, j'ai mon téléphone pour leur répondre. Donc, même quand je ne travaille pas physiquement, je réponds à mon équipe qui continue de travailler. Donc, il y a toujours ce truc d'être connecté. À l'heure actuelle, ce que moi je fais, c'est peindre. Peindre des tableaux, Oh. c'est des choses que les gens n'imaginent pas, mais peindre me permet de vraiment me déconnecter. En fait, pour moi, la notion de se déconnecter de tout ce qu'on peut faire, on l'a vraiment à partir du moment donné où on trouve quelque chose, où on, par exemple, il est 16h et tu dis merde, j'ai pas mangé ce midi. Quand tu trouves Oui, quelque je chose, connais, ouais. moi à l'époque, c'était pas la peinture, avant c'était la musique. Personnellement, dans ma vie de tous les jours, je prends plus de plaisir à jouer seul. Avant, je prenais beaucoup de plaisir à jouer seul, mais si je suis seul, je ne vais pas faire de la musique. Je fais de la musique que quand je suis avec des amis. Mais seul, peindre me permet de m'apporter ce truc de déconnexion complète, bah, du coup, du monde extérieur, et en même temps d'être pleinement centré et d'être pleinement présent dans ce que je fais, dans la peinture, de sentir chacun des mouvements, tester différentes textures. J'ai pu peindre avec de la mare de café, avec de la colle d'enduit pour salle de bain, vraiment mélanger différentes textures et je peux être dans complètement. Et là, je pense à rien. Le téléphone, il peut sonner à côté de moi, je ne l'entends pas. Donc ça, c'est personnel. Après, les gens, ils peuvent utiliser différentes choses. Alors, en fonction des éléments, ça dépend de leur niveau de pratique ou de leur force mentale. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire de méditer. Mais quand tu veux te déconnecter, méditer peut être avoir un effet inverse, en fait. Parce que du coup, tu peux être confronté à ce à quoi tu ne veux pas être confronté. Lire pareil, peut-être qu'il y a des choses qui te préoccupent tellement que si tu lis, mais au final tu vas pas réussir à lire, tu vas toujours être connecté à cette pensée. J'ai tendance à croire que plus on va faire des choses avec nos mains,
quelque chose d'artistique, plus on peut facilement se déconnecter. Après, on peut le faire de d'autres manières. On peut avoir des discussions avec des amis sur un autre sujet, etc. Ça peut être naturel, mais dans mon expérience, faire quelque chose de créatif permet de se déconnecter quand il y a quelque chose qui nous oppresse vraiment beaucoup. Mmh. Est-ce que tu penses que la musique, la peinture font partie d'une autre forme de méditation? Alors, je n'utiliserai pas le terme méditation. Je fais très attention aux mots que j'emploie. Je trouve que on pourrait parler de pratique méditative, mais cela n'est pas de la méditation. La musique, la peinture, etc. te permet de rentrer dans un état méditatif, c'est-à-dire dans un état dit de présence, mmh. où tu n'as plus de pensée. Après, c'est de par ce que tu fais que tu obtiens cet état. Ce n'est pas quelque chose que tu as forcé ton mental. Tu n'as pas, ça n'a pas demandé un effort en fait, du cortex préfrontal pour te libérer de ces pensées. C'est je peins, le résultat fait que je suis dans un état dit de présence. Donc oui, ça c'est génial, c'est bénéfique. Mais ce n'est pas comme une pratique méditative où on va forcer son mental à... Il part dans nos pensées, on lui dit non, reviens là. Il part, non, reviens là. Tu vois, quand tu fais de la musique, c'est intuitif. C'est genre, ça vient. Ça demande moins d'effort. Ouais, c'est super intéressant ça. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à dire que quand tu peins, tu médites. Quand tu conduis, tu médites, etc. Dans le sens où tu dois être centré sur la route, enfin sur ce que tu fais, en fait, pour ne pas faire de conneries. Mais c'est vrai que je n'avais jamais vu les choses de ce point de vue-là. Parce que je ne suis pas méditation comme tu l'entends au sens propre du terme. C'est vrai que moi, je fais partie des personnes qui n'y arrivent pas. Et c'est vrai que là, entendre ce point de vue-là, c'est super intéressant du coup. Que ce n'est pas la méditation en soi, mais c'est vrai que ça apporte un aspect méditatif. Mmh. Je n'avais pas cette différence entre les deux. Ben, c'est très important en fait, de bien choisir les mots. Surtout, en fait, on a une chance en France, enfin en France, dans la francophonie. Enfin, c'est une chance et un défaut en même temps. Mais on va se focaliser sur la chance d'avoir plein de mots pour définir plein de choses. Et on peut perdre le sens des mots. Par exemple, en français, on a tendance à dire « à méditer ». Mais quand tu dis « à méditer », tu perds la définition à proprement parler de méditation qui n'est pas une pratique occidentale. Et nous, on dit « à méditer » pour dire « à réfléchir ». Alors que la méditation ne vient pas d'Occident et dans les pays asiatiques où le terme « méditer » est employé, la pratique, c'est justement se libérer de ses pensées et non pas de les développer. Oui. Mais en France, on a changé la signification de ce mot-là de par certaines expressions à méditer qui dit du coup à développer une réflexion sur et déjà si tu le vois par exemple tu as pu le voir dans des commentaires ou des trucs comme ça des gens qui veulent te donner une leçon ils t'écrivent quelque chose et après ils mettent à méditer mais en fait non oui donc oui. Ouais, je prête beaucoup attention aux mots employés aussi parce que les je pars du concept que c'est l'inconscient qui choisit les mots qu'on emploie dans une phrase et qu'on peut en apprendre beaucoup plus sur les mots qu'emploie une personne plutôt que sur ce qu'elle est en train de dire en soi. Mmh, exactement. Exactement. Et ouais, c'est vrai que moi, j'ai mon père qui est asiate, et effectivement, quand on parlait de méditation, il a toujours eu ce petit souci, exactement comme tu es en train de dire. Ouais, c'est sûr. Des mots, même des formulations n'ont pas le même sens et peuvent même pas être traduites. Il y a quelque chose que j'aime bien en anglais. Lors d'un dialogue, il y a deux personnes qui échangent. Une des personnes, à un moment donné, a reçu assez d'informations pour comprendre le propos de l'autre. Elle peut être d'accord ou pas d'accord et elle va dire « fair enough ». Si on traduit littéralement, ça veut dire « c'est assez ». Si on dit ça dans une discussion française, ça ne le fait pas. Parce que leur signification de « c'est assez » lors d'une discussion n'a pas la même signification que nous. Nous, c'est assez, c'est en gros, et toi, je veux plus t'entendre parler. Alors que eux, c'est fair enough, donc c'est assez traduit littéralement, signifie ok, j'ai toutes les informations que tu m'as données, c'est super, alléluia, on peut continuer notre chemin, ou je suis d'accord, pas d'accord, etc. Et c'est important de connaître la signification d'origine des mots. C'est comme, je ne suis pas un expert là-dessus, mais en français, dans la francophonie, il y a pas mal de personnes qui ont développé qui ont examiné, décomposé les mots, ce qu'on appelle la langue des oiseaux ou la langue d'oiseau, quelque chose comme ça, où ils décomposent les mots. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut comprendre le sens profond du mot. Complètement d'accord.
J'avais vu ça par rapport à différentes choses justement que ma mère m'avait dit. Et j'ai pu lire ça, je ne sais plus si c'était sur un article internet. Et que ouais, quand tu, je ne sais plus quel mot était utilisé, mais que oui, quand tu décomposais, ça donnait beaucoup plus de sens, en fait. Ouais, bah, il y en a plein ces derniers temps qui sont sortis de par la situation actuelle, que ce soit Aussi. gouvernement, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Après, il y en a qui sont en anglais que je connais, télévision, tell lies to your vision, mets un mensonge à ta vision. Donc, après, on peut l'utiliser en anglais, on peut l'utiliser en français. Mais c'est super intéressant, honnêtement, si. Et avec tous les mots, on peut le faire. C'est juste qu'il y en a certains, il faut développer un peu plus de réflexion pour trouver leur sens à travers leur décomposition. J'avais une autre question. Comment as-tu fait pour t'accrocher par rapport à tes objectifs, que ce soit par rapport à YouTube, que ce soit par rapport à tes objectifs personnels, dans ta vie personnelle, sans abandonner? Si je repense au début, j'avais juste foi en la vie. Si je repense vraiment au tout début, quand j'ai commencé et que je faisais bah, notamment bah, des vidéos, parce qu'après j'ai développé d'autres projets, j'ai développé un centre de yoga, etc. Mais au tout début, quand c'était que des vidéos et qu'il n'y avait rien qui existait, on va dire, à proprement parler, j'avais juste foi à ce que l'avenir me récompense. J'avais juste foi en la vie elle-même. Je C'est beau savais ça. que un jour, ça allait fonctionner. Et pour venir même sur une discussion qu'on a eue dans l'interview que j'ai faite de toi, par rapport à la loi de l'attraction, les premières vidéos que j'ai faites, je les ai faites avec un téléphone, un Huawei, qui coûte 200 euros. Et un jour, je me suis dit, Jean, si tu crois vraiment en ce que ça va fonctionner, il est temps de te comporter comme si ça fonctionne. Et là, je suis passé d'un téléphone à 200 euros à une caméra à 2000 euros. Et à ce moment-là, je gagnais 0 euro. Je dépensais du temps et de l'énergie et j'avais 0 euro de rentrée de par ce que je faisais. Mais j'avais tellement foi en l'avenir, j'étais persuadé que les choses fonctionneraient. Fallait juste que j'accepte que ça prenne du temps. Et vu que je suis quelqu'un de pas très patient, en gros, ce qui m'a permis de m'accrocher à ça, c'est la leçon que la vie me donnait de ça va fonctionner, juste prends le temps, ça va fonctionner. Juste n'abandonne pas, continue. Et le fait de me dire que ça n'a pas fonctionné dans un mois, de ne pas me dire, il peut avoir un aspect bénéfique, mais il peut avoir un réel aspect négatif, surtout sur la plupart des gens, c'est de se fixer une date, surtout sur un projet que tu ne peux pas vraiment maîtriser, où tu ne peux pas savoir si vraiment ça fonctionne ou pas. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place, mais il y a toujours une part de chance dans tout ce que tu fais. Elle est contrôlée. Elle est plus ou moins contrôlée. C'est sûr que il y a cette phrase qui dit... Je ne crois, je, c'est marrant, mais plus je travaille, plus j'ai de la chance. Une citation comme ça, je paraphrase. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste que il y a des gens qui peuvent travailler autant, faire la même chose que toi, et ça n'a pas fonctionné de la même manière. Donc il y a toujours dans ce que tu fais une partie variable de chance que toi tu peux contrôler et une partie qui est incontrôlée. Et vu que je me disais pas ouais dans un mois ça a fonctionné, dans un mois tel objectif, etc. Je me suis juste dit j'ai confiance. Juste continue de faire ce que tu fais. Un jour, ça va fonctionner. Et donc, du coup, vu que je n'avais pas de date où je pouvais être déçu, en mode ah, ça va fonctionner. Je ne pouvais pas être déçu vu que c'était un jour, ça va fonctionner. Et vu que je le faisais régulièrement, ben, un jour, ça a fonctionné parce que j'ai pas pu abandonner de par le fait que j'ai pas pu être déçu qu'au bout d'un mois, 6 mois ou un an, ça ne fonctionnait pas. C'est super intéressant. Ça veut dire que tu as flouté toi-même la partie de ton cerveau qui vise au niveau des objectifs en lui donnant pas de date approximativement parlée ou quoi que ce soit. C'est un jour, ce sera là, sans lui dire quand ni comment exactement. Et c'est intelligent. Bah sur quelque chose comme ça fonctionne. Après, sur d'autres éléments, ça peut moins bien fonctionner. Surtout si, bon, à l'époque, je voyageais, je vivais de la musique, je faisais de la musique un peu partout, dans la rue, dans les bars, dans les hôtels, etc. Donc j'avais peu de dépenses. Donc ça me permettait, je pouvais vivre longtemps avec peu d'argent. Donc aussi, il y avait ce mode de vie que j'avais mis en place où je vivais vraiment, je dormais sur des canapés, des trucs comme ça, enfin, des choses que je ne fais plus aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que ça m'a permis en fait d'avoir moins d'inquiétude en l'avenir. Parce que forcément, quelque chose qui fait en sorte que les gens abandonnent, c'est qu'ils mettent des choses en place. Alors selon moi, ils ne mettent pas assez de choses en place.
C'est un peu comme je vais postuler pour un boulot et ils envoient 10 lettres. Non, en voisant 50 par jour, tu n'as pas 20 portes par jour et je peux dire comme ça, tu vas trouver quelque chose dans quelques jours. Donc déjà, ils ne mettent pas cette chose en place. Et secondement, bah, il peut y avoir une pression financière de par le fait qu'ils se lancent sur quelque chose qu'ils veulent. Et, mais vu qu'ils ont un style de vie qui est trop élevé par rapport au fait de ne pas avoir de revenus, bah, à bout d'un moment donné, il y a une pression qui augmente. Et à un moment donné, bah, il faut que j'abandonne, quoi. Alors que si tu vis très simplement, bah, tu peux te permettre pendant plus longtemps bah, de continuer ce que tu aimes et d'espérer qu'un jour, tu puisses vivre de ce que tu aimes. Mais il faut forcément genre, sacrifier, les gens n'aiment pas trop ce terme-là, mais sacrifier quelque chose pour obtenir autre chose. Mmh. Le sacrifice n'est pas négatif en fait. On sacrifie toujours des trucs tout le temps. Genre là, pendant qu'on se parle, on a sacrifié le temps qu'on avait pour faire autre chose. C'est vrai que quand on décortique comme ça, qu'est-ce qui fait que je vais faire les courses à ce moment-là au lieu de m'occuper de ça, par exemple? Il y a toujours, j'ai cette manière d'exprimer la chose, c'est que quand tu vas dans le chemin de droite, tu sacrifies tes expériences sur le chemin de gauche. Même si à un moment donné, tu décides de revenir en arrière et prendre le chemin de gauche, tu ne pourras jamais revivre exactement la même expérience que tu aurais vécue si tu avais directement pris le chemin de gauche. Donc, il y a toujours un sacrifice d'une expérience au détriment d'une autre. Et il n'y a rien de négatif à ça parce que dans tous les cas, chacun des chemins nous apprend quelque chose. Il faut juste espérer que le chemin qu'on prenne nous apprenne plus de choses et nous permette de mieux se sentir. Mais dans tous les cas, on est gagnant. Être en accord avec soi-même. D'ailleurs, tu avais dit une phrase dans ta vidéo FAQ que j'avais trouvée vraiment très belle. Tu disais, il ne faut pas imposer, mais il faut être cet état d'esprit que tu veux incarner. Et tu parlais notamment de ton alimentation qui avait changé et que tu n'en parlais pas autour de toi, mais simplement, à force de manger comme ça, les gens qui étaient autour de toi, qui étaient avec toi, mangeaient moins de viande. Et ça, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est vrai que tu n'as pas besoin de le dire, juste de l'être. Ça m'a fait penser à cette phrase « Fais ton impossible, à te regarder, ils s'habitueront ». Alors, je ne sais plus c'est quoi la phrase exactement parlant, mais... ouais, j'ai trouvé que c'était beaucoup en résonance avec ça. Et comment tu fais au jour le jour pour vraiment incarner à 100% tous ces objectifs que tu as en place, toutes ces valeurs que tu as dans ta vie? Ben, je me préoccupe plus de est-ce que ça me correspond moi plutôt que est-ce que les gens vont accepter que c'est... Alors, bon, en fait, c'est la même chose quand tu es une personnalité dite publique ou pas. C'est juste qu'il y a une... C'est plus intense, on va dire, quand tu es une personnalité publique parce que les gens projettent les valeurs que tu te portes. Ils imaginent que tu dois avoir telle et telle valeur. Ça peut être fait aussi dans le quotidien à une échelle moins importante. Mais peu importe ce que les gens pensent de ce que je peux faire, qu'ils pensent que ça correspond oui ou non à mes valeurs, moi, je le sais. Et à chaque fois que je fais quelque chose, je sais très bien si ça correspond à mes valeurs ou pas. Je sais très bien si, ok, là, je sais que j'ai un impact négatif, j'en ai conscience. Est-ce que je l'accepte? Oui ou non? Et en général, quand j'accepte un de mes impacts négatifs qu'il peut y avoir, je l'accepte parce que je sais que j'ai tel impact positif et je sais qu'il excède largement cet impact négatif. Et à partir du moment donné où je suis en accord avec ça, où je sais que mon impact positif est supérieur de loin à mon impact négatif, ben, je vais pouvoir incarner qui je suis et être qui je veux être et exprimer ce que je veux exprimer, peu importe que ça plaise ou pas, que ça puisse blesser ou pas, parce que je vais partager uniquement des choses qui, selon moi, dans tout le cas, vont être bénéfiques. Si une personne le prend comme étant non bénéfique ou négatif, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai joué mon rôle. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Et c'est un petit peu comme on pourrait voir ça comme ça, je vais donner cet exemple pour je ne sais plus quelle raison, mais on est sur une route et d'un seul coup je te pousse violemment et tu te fais mal à cause de moi. Donc on peut m'en vouloir parce que je t'ai fait mal, mais on peut être reconnaissant parce que je t'ai peut-être évité qu'une voiture t'écrase. Donc il y a un truc, c'est que toi sur le moment, sur l'impact, tu sais pas que je t'ai sauvé la vie, par exemple, on prend cet exemple physique. Donc tu peux m'en vouloir et trouver que je ne suis pas en accord avec mes valeurs parce que j'ai été violent ou je ne sais quelle autre raison. Mais à côté de ça, moi, je sais, je suis en accord avec qui je suis parce que je sais l'intention de mon action
est le résultat de mon action. C'est que le côté positif est supérieur au négatif. Ta vie est sauvée, même si tu es un peu blessé. Voilà, ce serait une manière d'exprimer comme une autre. Je crois que s'il y avait un seul conseil que je vais donner aux gens, c'est de ne pas voir seulement par son point de vue, mais aussi par le point de vue de la personne qui est en face, etc. Enfin, de toutes les personnes qui sont autour de nous. Alors, c'est très dur à faire, hein, ça je ne dis pas, mais c'est vraiment sortir de ses yeux à soi pour voir à travers les yeux et les pensées de l'autre personne. Et je pense que justement, en ce moment, c'est... pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, cette compréhension de l'autre, au-delà de ce qu'on voit. Ouais. Ouais, ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble de la vie et de voir qu'on a tous... on peut regarder la même chose, mais pas voir la même chose. Et ça qui est intéressant. Exactement, ouais. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on réalise que, ok, si moi, je vois quelque chose de négatif et que la personne qui est à ma gauche ou à ma droite voit la même chose, mais avec le sourire... C'est peut-être parce que ma manière de percevoir les choses n'est pas la plus adéquate, du moins pour que je me sente bien. Dans un autre contexte, parce qu'on a toujours tendance à le mettre sur ce point de vue-là, mais sur un aspect de danger, quelqu'un qui est un peu trop sceptique ou pessimiste, ça peut être bénéfique. Mais la plupart du temps, on n'est pas confronté à un danger, donc ce n'est pas forcément très bénéfique d'être trop pessimiste ou négatif. Qu'est-ce que tu dirais à la personne que tu étais avant ? Et c'est à toi de définir ce avant. Et qu'est-ce que tu demanderais à la personne que tu seras dans quelques années? Et c'est à toi de définir le nombre d'années. Par rapport à la personne que j'étais avant, et quand est-ce que c'est avant? C'est avant quand j'avais pas trop confiance en des choses que je pouvais faire, où j'avais du mal à voir ma vie changer, où j'avais l'impression d'être bloqué dans plein de boulots chiants. Soit la plonge, le ménage, des trucs comme ça. Ce serait. Alors, en fait, il y a une phrase que je trouve magnifique, mais elle est en anglais, mais si on la traduit littéralement, on ne comprend pas. C'est just show up. Just show up, ça ne veut pas dire juste montre-toi, au sens littéraire. Ça ne veut pas dire ça. Just show up, ça veut dire juste positionne-toi. Donc, en gros, ce que je dirais, c'est juste fais des choses et aie confiance. En gros, ce que j'ai fait, c'est juste que j'aurais pu le faire plus tôt. Donc, aie confiance, les choses viendront. Alors, bien sûr, dans cette dynamique de avoir confiance, les choses viendront, il faut se focaliser sur le fait de faire. Mais voilà, ce que je dirais à mon moi d'avant, c'est aie confiance, les choses viendront. Et à mon moi de plus tard, ça, c'est plus difficile quand même. C'est la question que tu voudrais te demander, que tu voudrais te poser. J'ai plus de facilité à me dire par rapport à maintenant que par rapport à plus tard. Par rapport à maintenant, je dirais... N'oublie pas chacun des aspects de la vie. Parce que je vois quand on est dans une démarche et on veut créer des trucs, on peut oublier certains aspects de la vie. Notamment l'aspect social. Oui. Quelque chose qui est très fréquent. Et donc, je me dirais, chose que je me dis déjà en ce moment, enfin depuis quelques temps, mais je me dirais, n'oublie pas chacun des aspects de la vie. Ils ont tous de l'importance. Mais après, la question que je pourrais me poser pour plus tard, j'avoue, je ne sais pas trop quoi. Le plus tard n'est pas encore arrivé. J'ai confiance en ce que je m'apprête à créer, la personne que je suis en train de créer, de développer, ce serait plus le terme. Mais j'avoue que c'est très difficile de savoir quelles questions je me poserai pour plus tard. Bah, c'est bien, en un sens. C'est-à-dire que tu as tellement confiance dans la personne que tu es maintenant que tu sais que tu n'as pas de crainte à avoir par rapport à l'avenir. Je trouve que c'est beau aussi. Oui, et il y a quelque chose qui aide là-dedans, enfin qui m'aide moi personnellement, c'est le fait d'avoir créé des trucs, confectionné des trucs, avoir vraiment changé ma vie sur l'ensemble des aspects du tout au tout, on va dire. C'est que même si je rate, même si je perds tout, je démarrerai toujours plus haut que ce que j'ai démarré. Mon état d'esprit, même si j'ai de la négativité qui émerge de par certaines situations, il sera toujours plus positif que celui que j'avais avant. Même si, de par la situation actuelle, etc., je perds mon centre de yoga parce que y a des confinements tout le temps ou je ne sais pas quoi, et j'aurai toujours plus que ce que j'avais avant. Donc, en fait, c'est ça qui permet de me dire qu'en fait, rien ne peut m'arrêter d'une certaine manière parce que je sais d'où je viens, je sais où je suis
Et même si je perds tout ce que j'aurai toujours plus que ce que j'avais avant. Et surtout, l'état d'esprit que tu peux cultiver, en fait, tu ne le perds pas. Et même si tu dois tout perdre, si tu as vraiment pensé à cultiver ton état d'esprit, à cultiver ta manière de penser, tu sais que tu trouveras une solution. Et pour finir, si tu veux, je peux même te dire un truc. Je ne pense pas que ce soit avec elle que tu as changé, c'était peut-être plus avec Marine, mais j'ai Marilyn qui est mon bras droit. C'est ma première salariée et elle est là depuis tout le début. Et à un moment donné, on vivait une passe assez compliquée de par les événements. On a dû rembourser énormément de personnes, etc. Donc, c'était très compliqué, très stressant. Je devais virer quelqu'un de mon équipe, etc. C'est pas une position confortable, tu vois, c'est très, surtout quand t'as pas envie de virer la personne. Oui. Faut préciser. Et Marilyn me disait, t'inquiète, j'ai confiance, je sais que tu trouveras une solution. Et ça me donne la chair de poule à rien d'y penser, parce que le truc, c'est que quand tu cultives ton état d'esprit et que tu fais toujours en sorte de trouver des solutions et de jamais te laisser abattre de par les événements, de toujours dire que tu vas trouver quelque chose, même si c'est pas tout de suite, même si c'est pas demain, le fait d'avoir confiance en la vie, que tu vas voir les éléments nécessaires pour régler les éventuels problèmes de ta situation actuelle ou même de ta situation future. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup et qui me laisse prétendre que l'avenir sera beau. Non pas uniquement de par le présent, mais de par l'état d'esprit que j'ai réussi à développer et que tout le monde peut développer avec du temps, beaucoup de temps, de l'énergie et beaucoup d'attention. Parce que si on apprend, mais qu'on n'est pas attentif à ce qu'on apprend, on ne retient pas. Et la répétition. Répéter, répéter, répéter. C'est vrai. Est-ce que pour toi, le mot persévérance ou motivation ou un synonyme que tu veux est quelque chose d'important? Ouais, le fait de persévérer, c'est important. Parce que pour moi, il y a une seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. Pour finir là-dessus, j'ai une histoire très courte à raconter. Alors, j'avoue que je ne connais plus le nom de la personne. C'est un peu dommage, mais on pourrait peut-être le retrouver sur Internet. C'est l'histoire d'un guitariste qui a toujours voulu être célèbre, être un guitare renommé, un guitariste renommé, pardon. Et à 76 ans ou 75 ans, il y a un documentaire sur lui qui sort sur le fait qu'il n'a jamais abandonné de devenir célèbre avec sa guitare. Et il n'est pas devenu célèbre en jouant de la guitare, mais devenu célèbre de par le fait qu'il n'a jamais abandonné. Donc, il a eu ce qu'il voulait, pas forcément de la manière dont il voulait, mais d'une autre manière. Et quand on n'abandonne pas, si c'est quelque chose qui nous importe vraiment, mais quelque chose qui vraiment nous importe énormément, que ça se manifeste dans un an ou dans 10 ans, ça a peu d'importance. Parce que quand c'est quelque chose qui nous importe vraiment, on aime tout le parcours qui nous emmène là-bas. Tout le processus qui nous permet d'arriver là où on veut être, on le trouve plaisant parce qu'on se voit évoluer, on se voit progresser. Et l'avantage de la persévérance, c'est qu'on se voit évoluer. Et donc, même si on n'atteint pas forcément notre objectif tout de suite, on voit qu'on change, on voit qu'on s'améliore. Et ça, c'est extrêmement plaisant, quoi. Ben, une belle histoire, je ne la connaissais pas. Je me renseignerai aussi sur ce guitariste, du coup. Parce que ouais, c'est une belle leçon de vie. Ouais. Et ça... Ça nous aide, nous aussi. Il y a des gens qui vivent des histoires complètement folles et même si ce n'est pas toi qui les vis, leur histoire à eux t'apprend énormément sur ce que tu peux faire toi. On n'est pas obligé de vivre nos propres expériences pour comprendre des choses de la vie. On peut apprendre des expériences des autres. Ça, c'est... Alors, exactement. Il y a certaines choses qu'il va falloir expérimenter soi. C'est inévitable. Okay. Mais il y a pas mal de choses où on peut... les comprendre à travers l'expérience d'une autre. On n'est pas obligé d'expérimenter soi. Et ça fait gagner du temps. Du style te faire renverser par une voiture. Tu n'as pas besoin de comprendre qu'il faut regarder à gauche et à droite. Tu comprends oui. Automatiquement qu'il faut regarder. De par l'expérience. Oui, oui. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quoi. J'aime bien les voitures, apparemment. Prendre des voitures en exemple. Voilà. Mais c'était un plaisir d'échanger avec toi, en tout cas. Bah, de même, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça va me faire réfléchir sur beaucoup de choses aussi par la suite. En tout cas, merci infiniment pour tes conseils et pour ce temps que tu m'as accordé. Et ouais. Merci à ton équipe pour les échanges du coup, qu'on a eus. Génial, bah, je les remercierai de ta part. C'est gentil.
Au plaisir. Attendant, bah, je te souhaite une très belle continuation. Continue ce que tu fais et merci encore. Merci à toi aussi.